Renzo Ramma isparide. Per te sento sguttare le mie ferite. E burria sempre io ti tengo garra. Per te voglio cantare l'amore spento. E l'esperienza ramma isparite. Per te sento sguttare le mie ferite. Nulla mio mi consola che lo pianto. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est sur la page Facebook de Viastale. On est mercredi 11 avril. Nous sommes à l'Albor avec moi derrière la caméra Laurent Simon-Poil. Bonjour Laurent Simon-Poil. On m'a dit que tu étais fan de Buenos Aires. Et oui, pareil, c'est un homme qui voyage beaucoup, qui adore Buenos Aires. Bon, un peu plus sérieusement, pourquoi on vous parle de Buenos Aires? Parce que si aujourd'hui on est mercredi et qu'on est en mode répétition, dans deux jours, à 20h30, on va être ici dans un cabaret corse à Buenos Aires. Vous comprenez pas tout? C'est un concept, c'est ça. Programmation, spectacle, Elixir Musique. On en profite parce qu'ils sont en train de faire une petite pause. Parce qu'ils sont à fond. On va commencer, tiens, par Célia, parce que c'est celle que je connais le mieux. Je vais me mettre juste là, Célia, t'inquiète pas. J'ai essayé d'expliquer le concept du tango, du cabaret corse à Buenos Aires. L'idée vient de qui en fait? Parce que là vous êtes sept. Alors je vais tous les solliciter comme ça au moins, j'oublierai personne. Il y a Pierre bien entendu qui est là-bas, Pierre qui se cache. C'est un peu le chef d'orchestre. Ah oui, c'est le directeur musical complètement. C'est lui qui a composé l'essentiel des pièces qu'on va entendre dans ce concert. Ensuite Célia, c'est toi. Isabelle. C'est moi. Bonjour. Je vais pas avoir le bras assez long pour Anne-Lise, ni pour Michel, à qui on dit bonjour, ni pour Jérémy, qui est là-bas, qui nous dit bonjour aussi, ni pour Jean-Marie, qui a de toute façon toujours sa guitare à la main, qui ne dira pas bonjour en face de lui. Voilà. Voilà, merci. Et bien sûr, puisqu'on parle aussi de toutes les personnes, on fait un bisou à Noir qui est quelque part avec sa tablette au niveau de la gestion du son, il est parti loin, et aussi à Georges qui est la lumière. Bon, on a présenté tout le monde, j'ai pas fait d'impair, explique-moi quand même le concept, on réinterprète, on revisite, on adapte. Alors c'est pas du détournement, mais... On n'est pas loin. C'est comme un petit... En fait, c'est un voyage qu'on organise entre la Corse et l'Argentine. Et puis, ça c'était l'idée de départ. D'abord, l'idée de départ, c'est qui? L'idée de départ, c'est une envie qu'on avait déjà de travailler avec Pierre. Hein, Elixir adore travailler avec Pierre. Elixir, c'est là. C'est nous trois. C'est les trois là. Voilà, le trio à cordes. Et ça fait longtemps qu'on connaît Pierre. Moi, j'avais eu l'occasion de participer à un ciné-concert avec lui. On a joué l'année dernière dans le spectacle autour de Serge Reggiani. On était en quatuor et donc sous sa direction aussi. Donc, on avait vraiment envie de continuer avec lui. Et surtout de mettre en valeur ses qualités de compositeur, parce que c'est non seulement un excellent pianiste de classique et de jazz, mais aussi un super compositeur, tout style confondu. Concrètement, la chanson corse des années 50, des années 60, on va réussir à la reconnaître, elle est complètement, comme ils disent, revisitée au niveau de la cuisine, ça va être complètement ça, on prend les mêmes ingrédients mais on en fait un autre plat. Voilà, on prend un ingrédient que tout le monde connaît bien, que tout le monde aime bien, et puis on l'assaisonne différemment, on l'accompagne de... on organise tout un repas autour en fait, hein. On fait une entrée puis on va jusqu'au dessert, donc autour de cet ingrédient que tout le monde, malgré tout, reconnaîtra clairement. On a le droit de balancer des choses? Non, hein, non, faut pas tout dire. Hein. Quelques titres, oui, à Ganson Apermarie, à Uperte par exemple, voilà, ce sont des titres. Après, on sait,
C'est vrai que l'idée de départ, c'était de reprendre ces chansons de cabaret, enfin du style cabaret des années 50-60. C'est rock, c'est close. Voilà, exactement. Hein, c'est des choses qu'on a tous en tête. Mais on n'a pas pu se restreindre à ça. Il y a un moment où on a eu envie de, ben voilà, une chanson de Jean-Claude Acquaviva, pour nous, ça s'imposait, par exemple. Une composition que Pierre a eu envie de créer pour l'occasion. Reprendre un classique aussi de Gabriel Fauré. Mais tout ça a quand même un lien. C'est chaud quand même de reprendre tous ces, on va dire, ces classiques. C'est un peu risqué aussi. On a toujours peur de commettre un impair. On a toujours peur de. Il n'y a pas quelqu'un qui va me reprocher d'avoir. Bon, alors maintenant, si on commence à se dire que quelqu'un va nous reprocher quelque chose, on finit par se taire complètement et rester dans son lit. Donc, l'idée, c'est de. Ben non, mais d'essayer de faire quelque chose de beau à partir de quelque chose de beau. A priori, il n'y a pas trop de chances qu'on se trompe, quoi. Alors là, ça aurait bien se passer. On est en pleine répète. On ne va pas vous embêter très longtemps parce que je sais que vous êtes à fond. C'est combien de temps de répète, tout compris? C'est-à-dire que là, maintenant, on est vraiment sur la scène où ça va se passer dans 2 jours. Mais sinon, c'est un travail qui a duré. En fait, le travail, la composition, je pense qu'il y avait plusieurs mois de composition. Déjà, Pierre a commencé à écrire cet été. On a commencé à répéter en début février. Et à raison d'à peu près une grosse répétition par semaine. Et puis les derniers temps, on a répété plus souvent. Et puis et tout ça avec en même temps le travail qui continue à côté. Vous êtes très présentes toutes les trois, ou toi des fois en solo. Non, mais toutes, on a eu beaucoup de boulot ces derniers temps. Enfin tous et toutes. Mais oui, de toute façon, on n'a pas trop le choix si on veut que ce soit bien. Là, sur scène, on finalise en fait. On finalise avec le son, avec tout ce qui fait véritablement spectacle, le son, les lumières, etc. Et on finalise le projet. On est enfin tous réunis pendant des journées complètes. Donc c'est vraiment un super luxe de pouvoir faire ce travail avant la création. J'embête un peu Isabelle, si tu veux bien. Ah aussi Isabelle. Et puis une fois que le micro est en face, on peut plus dire non. C'est ça. Ça tombe bien. Je fais plutôt de l'instrument. Le challenge, toi aussi, tu l'as vécu dans le groupe. On est à 2 jours de la première représentation. Oui. Comment on se sent ? Très très impatiente de présenter ce projet. Ça palpite à l'intérieur. Là, ça fait un moment que ça palpite, mais là de plus en plus. Et très très heureuse, vraiment. Pas de stress particulier. Non, que du bonheur. Il y a à droite, on a. Il y a du travail. Il reste beaucoup de travail encore, mais. Voilà, beaucoup de bonheur. J'embête pas trop parce qu'elle est moins bavarde que Célia. C'est pas du tout un reproche, ça, Célia. Pas du tout, c'est pas mon genre. Annelise, on va l'embêter aussi. La troisième d'Elixir, cette aventure, toi aussi. Tu y es rentrée avec passion et avec peur un peu aussi? Avec passion, non, sans peur, hein, parce que j'ai confiance entièrement en les compositions de Pierre, mais aussi de Célia, parce qu'elle est modeste et elle a quand même arrangé deux des chansons qu'on interprète. Donc ayant entièrement confiance et en les compositeurs et en mes collègues et amis musiciens, j'ai pas d'appréhension. Donc ça, c'était la partie Elixir. Et puis l'autre partie, c'est qu'il faut que j'aille embêter, bien sûr. C'est nos copains, Pierre. Voilà. Il faut commencer par lui. C'est Pierre. Non, continue, fais comme si on n'était pas là, Pierre. On peut prendre sur le deuxième couplet. Est-ce que je garde mon chewing-gum à la nicotine ? C'est très très classe. Et puis, je vous dire, on sent la bonne ambiance, on a des images off, on ne pourra pas vous les montrer. Pierre est le chef d'orchestre dans tous les sens du terme, comment dire. Ça se passe bien, alors il y a Elixir, tu avais déjà travaillé avec. Oui. Ça c'est plus, on va dire, ton équipe. Voilà, Elixir et le bassiste Jean-Marie, avec qui je joue depuis assez longtemps. La voix ? Alors, je ne connais pas, je ne sais pas qui c'est. J'ai eu la chance de découvrir ces merveilleux musiciens, qui est Miguel Paoli, le chanteur, et mon petit génie, Jérémy. Oh, Jérémy, tu l'as, là. Mon génie, voilà, c'est fait. Mon petit génie. Petit, pardon, oui. Et voilà, grâce à Célia qui m'a fait rencontrer, qui nous a connectés. Et c'est un plaisir de travailler avec ces gens. Dit-on à la télé. Oui, non, mais tiens, on est sur les réseaux sociaux, tu peux tout balancer. Ouais. Tu peux y aller, vas-y, lâche-toi. C'est n'importe quoi. Non, mais c'est dur, sérieusement. On voit depuis tout à l'heure, on était un peu cachés, on te regardait, de gérer la troupe.
il faut... Alors, c'est pas dur de gérer la troupe, mais c'est dur de rentrer... On est obligé, avec ce répertoire, de rentrer dans le détail. Voilà, sinon, ça marche pas. Mais le détail, c'est de garder une note, une seconde et demie, et non pas une seconde trois quarts. Voilà, c'est ça les détails. Par exemple, et c'est un travail qu'il faut faire, et heureusement qu'on a cette résidence, et on sera prêt par contre pour vendredi. 20h30. Il reste des places ? Oui, il en reste quelques-unes, mais il faut se dépêcher, je crois. Et il faut aller où si on veut acheter des places ? Alors, chez Alexandre Boutique, non, je crois pas. C'est... On disait toujours ça, c'est Alexandre Boutique, oui, le pauvre. Ça. Je me demande s'il vendait pas plus de places que de t-shirts, le pauvre. C'est un truc énorme. Non, c'est où ? C'est chez... Je vais vite. La billetterie de l'Albor ou sur le site www.bastia.corsica, vous trouvez... un accès pour acheter les places en ligne. Bon, en gros, sur le site de la municipalité ou venir directement à l'Albor, il y a toujours... Alors, si on veut téléphoner à la billetterie, c'est le 0... Ça doit être écrit, Bah oui, mais à mon âge, tu sais. Ah oui, mais tu sais, on a le même âge. Merci, merci. Billetterie, ah, ben oui. Voilà, facile. 0495 47. Qui c'est qui rit, Annelise? 47-47-00. Laurent Simon-Paul, ce n'est pas la peine de rire. Tu es pas mieux. Tu as les bras plus longs que moi, c'est tout. C'est le seul souci. 04-95-47-47-00 si vous voulez savoir s'il reste des places et comment vous les procurer. Il n'y a pas de problème. Quand tu t'es attaqué, on a parlé de ce principe de s'attaquer à des grands classiques. Dans quel état d'esprit on est quand on se dit, tiens, celle-là, je vais... Est-ce qu'il y en a une qui t'a fait plus peur que les autres? Est-ce que tu t'es dit, waouh, là, comment je vais la prendre, celle-là? Alors, elle monte. Tout le répertoire a été choisi dans un premier temps par Miguet, le chanteur, et Célia. Ils m'ont fait une proposition. Ils m'ont envoyé un mail avec plusieurs titres, même presque une trentaine de titres. Donc j'ai fait mon choix et finalement je suis resté sur les morceaux qui m'inspiraient le plus. Mais beaucoup m'ont inspiré. Voilà. Après le travail, je me suis laissé complètement. J'avais libre cours à l'écriture, donc je me suis open bar sur. Mais toujours dans quand même l'axe tango Argentine. Mais quand même, toujours ouais. Dans cette couleur, puisqu'après voilà. On sait qu'on doit présenter ça sur scène. C'est ça. C'est-à-dire avec un côté rythmique. Emprunté de l'Amérique du Sud, on va dire. Ça se mélangeait bien, le cabaret corse, on va dire, et Buenos Aires. C'était fait pour se marier complètement. Ou c'était pas au forceps? Non, mais c'est loin géographiquement, mais je trouve que ça s'est toujours unifié dans la musique corse, même dans la tradition. Les Corses, ils ont toujours été fans de la musique sud-américaine dans leur chant. Le chant, l'accord. Voilà, et et ce rythme-là quand même aussi. Que dire de plus ? Nous voilà transportés au cœur de Buenos Aires, sur le seuil d'un cabaret corse devenu Tango Café. C'est vendredi 13 avril 2018 à 20h30. Il reste quelques places. Qui je peux aller embêter ? Après, on vous laisse. Oui ? Je me faufile. Venez, venez. Venez à moi. Jean-Marie, laisse-moi juste. Non, mais je veux me faufiler. Voilà, c'est des histoires de caméra, je t'expliquerai. Jean-Marie ne lâche jamais sa caméra. C'est le plus on est d'accord, c'est le plus sérieux. C'est le plus sérieux, hein, le plus studieux. Par contre, là, en fait, aujourd'hui, je fais pas semblant. Regardez, si on peut filmer là, parce que ça, c'est rare, hein. Voilà. C'est rare de me voir avec des vraies partitions, des trucs. Des vraies notes écrites. Avec des partitions. Profitez, messieurs, dames, profitez. D'un autre côté, on sait avec qui il a travaillé, du coup, enfin, comment dire. On est en train de se faire des potes, hein, continue. Ouais. Non, ça va. C'est bon. Moi, après, il faut que je redescende à Ajaccio. Je sais pas si sur le trajet, je vais avoir 2-3 embûches. Ouais. Non, sérieusement, toi, ta participation, elle était évidente aussi de rentrer dans ce projet? Ouais. Ben, moi, c'était un peu un défi parce qu'il fallait que je me mette à lire. Et c'est chiant. Voilà. Mais bon, je l'ai fait. D'habitude, il lit, mais le corps ce matin. Ouais, ça, c'est Pierre. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Mais la précision sur ces adaptations, il disait c'est une seconde et demie, c'est pas une seconde trois quarts. C'est aussi avec ça qu'on y arrive. Hein. Oui, c'est sûr. C'est... J'ai l'impression de mettre les pieds dans le plat. Non, mais c'est juste écrit, et si en fait on tombe à côté, ça marche pas. Donc voilà. Pour une fois, on peut pas embrouiller, quoi. C'est ça le truc. Pour une fois, on peut pas embrouiller. Jérémy. Oui. Le petit génie, l'accordéon. Je regarde. Génie, je sais pas. Hein. C'est le patron, c'est Pierre. C'est mon petit génie. Avec la mise en abîme, il y a Pierre qui nous filme pendant qu'on le filme. Bon. Trouve une phrase importante à dire, il y a deux caméras sur toi.
J'ai faim. Oui, c'est vrai qu'on a largement dépassé, l'horaire du repas. Et sinon, pour les gens qui ont envie de découvrir cet univers vendredi, tu leur dis que... Alors, pour cet univers, je leur dis, bien entendu, de venir pour découvrir vraiment quelque chose qui n'est pas courant. C'est vraiment un bel univers musical que Pierre et Célia nous ont permis d'approcher. Et ça nous permet de nous ouvrir sur une autre manière de voir des titres qui ont tourné, qu'on a écouté sous mille manières. Mais voilà, là c'est vraiment quelque chose de particulier. Et voilà. Je te laisse tenir ça, continue. Très bien. Non, parce qu'ils veulent pas qu'on montre tout, mais moi j'ai le droit de regarder. Oui, bien sûr, bien sûr. Ah oui. Ah oui, forcément. Ah ouais. Ah, celle-là aussi vous l'avez reprise. Voilà. Ça, on peut le montrer, ça, c'est agréable. Pour une partie accordéon, arrangée par Pierre. Ouf. Donc, je ne peux pas vous dire. Ça, c'est dégueulasse. Merci. Je ne l'embête pas plus, le petit génie. Non, il y a de belles surprises. Il y en a combien en tout? 11. Merci. 11 morceaux. Ouais, mais c'est la dame. On finit avec la voix, là aussi. Pas évident. Comment tient Pierre qui est en face de nous avec sa petite caméra comment on a fait pour la voix quand on voulait réinterpréter? Parce que réinterpréter, c'est bien sûr les instruments, c'est les partitions, mais c'est aussi la voix. Comment on travaille avec le chanteur pour lui dire, regarde, là, je veux que tu rentres. Oui, Laurent, je te donne le micro. Tiens, vas-y. Eh bien, exactement de la même façon qu'avec les musiciens. C'est-à-dire, c'est ça, les notes courtes, les notes longues, l'intensité, la vélocité de la voix, ça existe la vélocité de la voix? Et car le chant est un instrument aussi, et on s'y prend de la même façon. Merci mon assistant Laurent Simon-Paris. La voix est un instrument comme les autres, mais c'était la première fois pour toi que tu partais dans un truc comme ça, de réinterprétation complètement différente. Oui, un projet comme ça, oui. Bon, après, il y a eu les projets de chansons, ceux-là je les ai déjà vécus, notamment avec Tarwania, mais oui. un vrai projet comme ça, musical et de réinterprétation, oui, c'est la première fois. Petite pression? Toujours, parce que je suis pas forcément un chanteur de chansons, c'est pas mon truc premier, je dirais. Hein. Et donc il faut s'y mettre, et il faut se mettre à chanter des chansons qu'on n'a pas l'habitude de chanter. Il faut se les approprier, il faut leur donner en plus. Comme le but c'est de faire une réinterprétation déjà musicale, il faut aussi réussir à en sortir pour pouvoir. Il faut pas les chanter comme les versions originales. Voilà. Donc et là aussi c'est pas facile ça quand on essaie d'oublier. La première version, des fois on est rattrapé par ses souvenirs et par ses réflexes. C'est ça, il faut essayer de chercher d'autres choses, de puiser un peu partout. Et... À la limite, c'est plus simple si on ne connaissait pas la version originale. Au moins, on rentre dans une première interprétation. Voilà, comme ça, on a toute la liberté, ouais, tout à fait. Mais enfin, en tous les cas, je suis très content de faire cette chose-là, parce que c'est vraiment de la très très belle musique. Quand j'ai entendu les premières maquettes des compositions de Pierre, et Célia en a fait elle aussi, hein. J'ai trouvé ça très très beau et je pense que jusqu'à présent il n'y a pas eu ce genre de travail quoi. Aussi loin avec tant de liberté musicale, je crois pas que ça hein, je sais pas. Peut-être du côté aussi. De Moïda, a dit Festival de Moïda, oui. C'est vrai que c'est... Alors si vous me voyez rire, c'est pas parce que je me moque du monsieur qui parle, c'est parce qu'il y a deux énergumènes là, ils arrêtent pas en off. Oui mais il faut... Pierre il a dit, tant qu'on n'a pas... C'est comme ça, tant qu'on n'a pas fini la répète, ben on mange pas. Donc des fois ça dure jusqu'à 15, 16, 17 heures et ensuite ils mangeront. On va vous laisser travailler, je sais que vous avez vraiment plein de choses à faire jusqu'à vendredi. Qui s'occupe ensuite de la suite de la vie de cette aventure? C'est notre asso Elixir Musique. On a un super président qui se défonce pour nous, voilà, qui est juste derrière vous, mais il veut pas se montrer, donc on va pas le montrer. Et puis voilà. Et puis les gens entendent parler du projet. Certains nous contactent directement pour nous demander s'ils peuvent accueillir ce concert. Voilà. Donc on a déjà pas mal de choses qui sont prévues cet été. Et puis, voilà, parce que les choses soient bien claires. Si vous venez vendredi 13 à 20h30, c'est bien. C'est que vous avez eu de la chance d'avoir un billet. Ça sera complet. C'est une évidence. Et ensuite, ça sera en extérieur. Est-ce que c'est possible en extérieur? C'est possible à partir du moment où cet extérieur n'est pas trop bruyant
Y a pas évidemment, il faut des conditions météo favorables. Et puis, oui, après, nous, absolument, c'est tout à fait possible. Oui, au pire, il y a aussi des salles de spectacle qui pourraient, et des municipalités qui pourraient venir. Non, parce que c'est pas mal, la tournée d'été, c'est bien aussi. Après, on peut revenir quand il pleut. Pour l'été, on est quasiment entre les activités des uns des autres. C'est vrai qu'on est quasiment, on est quasiment complet. On va quand même le donner à Pigne une fois à l'auditorium. Et on sera au 7 Imbrino de Tavagne. Donc ça, on est très contents. Donc ça, c'est, pour le coup, c'est un brin ou c'est des concerts en extérieur, par exemple. Mais c'est vrai que tout est mis, tout est fait en sorte de bien accueillir les concerts et de mettre le public déjà dans un lieu confortable et les musiciens aussi. Et le son aussi. Et le son, bien sûr, il faut, ouais, bien sûr. Ouais, c'est un projet quand même un peu délicat, bah, donc si il faut on pas on des si voitures. On envoie des watts, si on envoie des watts avec des méga instruments et de la batterie, et on peut se permettre des fois, tandis que là, il y a une finesse n'autorise pas. Un contexte de calme à trouver, effectivement. Mais il y a plein de lieux à l'extérieur qui se prêtent très bien à ce genre de choses. Donc, voilà. Donc, si vous êtes intéressé, voilà, vous savez, si vous êtes une municipalité, une scène ou quoi, ben, il faut contacter l'association Elixir, dont le président est là. Président, ça se passe bien? Ça se passe très bien. Du peu que j'en ai vu, je me garde la surprise de découvrir le jour J, le concert, en fait, tout le spectacle. Donc, je découvre... par petites bribes, mais là déjà, je venais les chercher pour déjeuner justement. Encore un petit peu, non, il est beaucoup trop tôt, il est que 15h, ça va. un dernier mot, allez, je laisse au président, s'il y a encore quelques places, venez, sinon, est-ce qu'il y aura un CD ou quelque chose de fait, il y a peut-être un clip qui va sortir? C'est pas l'objectif premier, d'abord c'est de le faire vivre sur scène ce spectacle, parce que c'est là qu'il prend toute son importance. Quelqu'un qui a dit le spectacle doit être vivant et il faut faire vivre le spectacle. C'est ça, voilà. Tu vois pas qui ça peut être? Non. Tu te souviens même pas de tes interviews, c'est bien. C'est pas grave. Oui, c'est toi qui l'as dit, je te jure. C'est le début de la notoriété quand même, quand on commence à citer. S'auto-citer. C'est une bonne parole. Donc voilà, pour l'instant, oui, comme disait Célia, il y a plusieurs dates de vendues entre cet été et puis l'automne et le printemps 2019 également. Donc dans différentes communes de Haute-Corse et de Corse du Sud, puisqu'on sera à Ajaccio, on viendra vous voir à Ajaccio au printemps prochain. Et puis après, l'idée effectivement de faire un CD, pourquoi pas, on verra, ça c'est pas... Je pense que c'est pas l'essentiel en tout cas pour l'instant. Pour l'instant, on veut le faire vivre, et donc effectivement, merci pour la pub, c'est de... appelez-nous si vous voulez, si vous êtes intéressé pour programmer ce spectacle. Et bien entendu, vous pouvez le retrouver sur leur page Facebook, ça tombe bien puisque nous on est sur la nôtre. Ce que je vous propose les amis, c'est oui, vous allez aller manger, oui, vous êtes super en retard, mais juste pour dire au revoir, quelques notes. Célia qui dote de lignes de la tête, Pierre qui mâche, c'est Nicorette. Juste, tu me fais juste, regarde Pierre, 2 minutes, juste pour se dire au revoir. A bientôt sur la page Facebook de Viastel. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Je vous rappelle, c'est vendredi 13, c'est à l'Albor, c'est en si mineur. C'est à 20h30, c'est s'il reste des places, c'est à l'Albor. Allez-y, à bientôt sur la page Facebook de Viastel. On sera ensemble la semaine prochaine pour plein de directs. Suivez-nous. Okay. One, two, three,